Guingamp 11e accueille Caen 5e. Les Canets sont bien remontés au classement. Ils restent sur 3 victoires pour un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. Salama, Mendy et Brahimi débutent la rencontre. Guingamp de son côté a envie de s'améliorer. Les Bretons sont sur 2 défaites après 2 nuls. Ils ont surtout beaucoup de difficultés à s'imposer devant leur public. Sania, Picard et Alouazani débutent la rencontre. Sidibé est lui suspendu. Sur ce coup franc, c'est joué très vite. La passe astucieuse de la tête d'Alouazani pour trouver Donatien Gomis, monté de la défense. 1-0 sur la première opportunité du match en faveur de Guingamp. Dès la 4e minute, les Bretons sont devant au score. Deuxième but cette saison pour Donatien Gomis. C'est le début de match rêvé pour les Guingampais. La réponse canaise est attendue, notamment sur corner, avec une reprise de la tête au premier poteau. Une belle chance de marquer pour Méda. Et ça passe au-dessus. 1-0 pour Guingamp à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Canets font tout pour au moins égaliser et obtenir le nul en Bretagne. Nouvelle tentative et la parade d'Enzo Basilio. Très belle opportunité canaise avec ce tir à bout portant de Salama. Mais ça ne veut pas passer pour l'équipe normande. Une chance supplémentaire sur coup franc. Une reprise de la tête, mais ce n'est pas assez dangereux. Et Enzo Basilio est tranquille pour se saisir de la balle. Domination canaise en seconde période. Mais sans trouver la solution, Guingamp confirme son résultat jusqu'au bout. Victoire de Guingamp, 1-0 contre Caen. Se sépare donc avec